On terminera donc sur le vertical numéro 11 des barres blanches après une boucle à droite toute. Bon, nous voici avec actuellement les meilleurs cavaliers au monde. 37 justement à venir nous rejoindre en visant bien sûr le plaisir que d'être parmi les élus des 10 retenus. Numéro 14 mondial, mais surtout les médailles et des titres glanés tout au long bien sûr de sa belle carrière. L'un des ténors de la discipline. Il a 22 médailles lors des championnats d'Europe, mondiaux ou encore Jeux Olympiques. L'un des grands noms de la discipline s'élance en numéro 1. Mesdames, messieurs, saluons Ludger Birbaum. That's right. Never an easy job to go first, but of course, with this level of competition, he has got an awful lot of experience. As we were saying, 22 medals to his name. No stranger to the Grand Palais with this same shaman. They won the Grand Prix here. That was back in 2013, 3 years ago. Il y a 3 ans, effectivement, avec Shaman. Allez, gagner ici. On y va, c'est parti. Et le tout le plus vite possible. Shaman, l'étalon fils d'un autre crack. Triple vainqueur de la finale Coupe du Monde, un Baloubé du Rouet. Yes! Bon, et bien voilà comment on va mettre la pression à 36 autres cavalières et cavaliers en réalisant déjà un parcours sans faute, un tempo parfait, 55 secondes, 61 centièmes. Saluez, si vous voulez bien, une nouvelle fois la prestation que vient de réaliser devant vous, Ludger Birbaum. A class act as ever, 55-61 clear and obviously the best performance so far as this first to go. Fait encore partie de cette jeune génération de cavalières à venir nous rejoindre maintenant, membre de l'équipe britannique, la Coupe des Nations de Rotterdam l'année dernière, vainqueur à Rezzo, deuxième de l'étape Coupe du Monde d'Helsinki, et les applaudissements du public du Grand Palais pour lui souhaiter bonne chance cet après-midi, Jessica Mendoza, la Britannique. Vous la voyez donc avec Spirit, le cheval que vous avez donc actuellement devant vous, une jument vide Tornado. Amazing season for her last year. Already gone so fast in 4 years. In 2012, she was still riding ponies where she won the team gold for Great Britain in Fontainebleau. In 2013, off she was to the juniors where she came back with the team silver. She came back with the team gold juniors in Arezzo, and now she's in the senior category, world number 62. C'est bon. Regardez encore une fois tout le talent de cette cavalière qui n'a cesse que de faire maintenant partie de l'élite mondiale. 52 secondes et 85 centièmes. J'ai pas besoin de demander une nouvelle fois de vous entendre saluer. Je crois que vous avez très envie de le faire pour saluer sa belle prestation. La pression croît de plus en plus, mais de la pression, on en a vécu. Quel cavalier vient nous rejoindre? Maintenant, indéniablement, l'une des figures marquantes du jumping international, ce Bertram Allen qui vient nous rejoindre après une carrière fabuleuse à Poney. Eh bien, cheval, le voici propulsé tout simplement parmi les meilleurs au monde, numéro 9 mondial à 20 ans. Phénomène! Il a gagné partout, il est là au Grand Palais. Voici Bertram Allen pour l'Irlande. That's right, victories last season, including the Grand Prix in Stockholm. There was Dinard, there was Paris, Gisteren, Dortmund, La Bolle, Bordeaux, you name it. He went round the world, well, round Europe anyway, winning wherever he went. Currently number 9, he's still just 20 years of age. Allez, avec Nathan, son fidèle Romanov. Romanov, donc, Heartbreaker. 18 ans.
Romanov, who is 18 years of age. Qu'il est vite, oh qu'il est vite. Oh, 2 secondes, mesdames, messieurs. Et encore 2 secondes de mieux. On l'attendait, explosif, cette première confrontation. Oh, continuez vos applaudissements, monsieur Bertram Allen. 2 seconds faster. He's just saved 2 seconds off the time of Jessica Bertram into the lead with 18-year-old Romanov. 18 ans, effectivement, Romanov. 50 secondes, 71 centièmes à battre avec la bouillonnante mais fabuleuse Ornella. On a la chance d'avoir notre premier cavalier français sur cette liste de départ. Mais quel cavalier ? Vous avez le vice-champion du monde. Il est bien là. Il est bien là cet après-midi. Allez, Patrice. Allez, Ornella. Patrice de Lavaux. Ornella Mile, auquel on adjoint donc HDC comme Ara des Coudrettes. Bienvenue à tous les deux. Le défi maintenant, 50-71 à battre. Ornella Mile, the mare, of course, no stranger to you with this horse and rider combination. Number 12 in the world rankings currently. Patrice Delaveau. Victories for him all season long as well. Paris, Oslo, Los Angeles. Oh, regardez le chronomètre de Patrice. C'était fait, hein. C'était fait. Bon, extraordinaire, cette jument. Bon, par 3 fois, il y aura eu faute, mais encore une fois. Quel couple vous avez devant vous. Bien sûr, continuez vos applaudissements. Elle le mérite aussi bien pour elle que pour lui. Bravo. Unfortunately, on that round, a very fast time indeed. 48-14, unfortunately, with those 3 jumping penalties. Bon, avec 3 fautes, effectivement, 12 points, 48 secondes et 14 centièmes. La première victoire ici du Cru 2016, c'est bien le cavalier que vous avez donc actuellement au départ, qui l'a réalisé, l'a fait retentir donc l'hymne suisse. Et pourquoi pas un doublé cet après-midi. Sans votre soutien, à mon avis, ça me paraît difficile. Pius Switzer, elle est actuellement une nouvelle fois devant vous. Pius, 24e meilleur cavalier au monde. Récent vainqueur encore une fois de l'étape Coupe du Monde de Zurich. C'était avec PSG Future. Vous allez le voir donc cet après-midi avec Chez la Tour, Chez la Tour Air. Chez la Tour Air, the horse that is 11 years of age under the saddle of Switzerland's Pius Switzer, winner of our first class here, the Prix du Grand Palais. Ça va vite. Allez, 50-71. Allez. Ah, le dernier. Et c'était fait, hein, pourtant, pour quelques petits centièmes.
On est à 50 secondes et 48 centièmes. C'était fait pour Pius. Allez, certainement déçu, mais là encore une fois, hein, compte tenu de sa belle victoire, est-ce qu'il vient de réaliser devant vous ? Voilà, ça méritait bien de vous entendre une nouvelle fois. Monsieur Pius Schweizer. One down a total of four on a time of 50-48, which puts him in a fourth position. Deuxième de ces dames à venir nous rejoindre cet après-midi. Nous partons pour la Suède. Il y a eu les Jeux Olympiques par trois fois, quatre fois les championnats du monde, multiples fois aussi sélectionnée pour courir les championnats d'Europe. Elle sera avec H&M Qchana 42. Voici pour la Suède et le public, bien sûr, du Grand Palais pour lui souhaiter bonne chance. Malin Beyer-Johnson pour la Suède. Malin Beyer-Johnson, the first to go now for Sweden. Number six on your start list with this nine-year-old mare by the name of H&M Qchana. Et Qchana, elle a 10 ans, cette jument fille de Carden Toro. Partie donc pour la Suède face à l'Irlandais Bertram Allen et Romanov. 50-71 à battre. Oh, sans faute! Allez, sans faute pour Malin Beyer-Johnson. Bon, mission accomplie en tous les cas. Hein. Essayez d'être parmi les meilleures cavalières. Vous savez que les 10 seront retenus, les 10 meilleurs de ces dames, avec les 10 meilleurs de ces messieurs, pour constituer les équipes de demain. Le Maroc maintenant. Et quel couple vient nous rejoindre. Oh oui, qu'ils sont bons. Et je peux vous assurer que vos applaudissements, ils s'en nourrissent l'un comme l'autre. Quickly de Kresker, le bondissant, le magnifique étalon que lui a confié Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et encore une fois, je crois que vos applaudissements seront encore une fois le galvaniser, je le souhaite. Allez, voici Kébir, Abdelkébir Oudar. Currently world 44, when these two are in the ring, it's always amazing. Sit back and fasten your seatbelts. Pour la première fois, le Maroc participera aux Jeux Olympiques de Rio grâce à ce couple notamment. C'est parti, 50-71 à battre. Il est sorti de la combinaison numéro 4 pour Quickly. Bon, allez, 4 points, c'est le score final. 58 secondes et 76 centièmes pour Abdelkébir Ouattar et Quickly Kresker. End of the round for Kébir with a total of 1 down, 4 penalties on 58-76. Bon, on est parti sur un chapeau de roue avec des sans fautes et notamment Romanov et Bertram Allen, Jessica Mendoza 2e, Ludger Birbaum 3 et Malin Beyer-Johnson à la 4e place. Vainqueur de la finale Coupe du Monde en France, c'était à Lyon pour Daniel qui va prendre le départ dans quelques instants. Premier représentant de la Mannschaft qui vient de vous saluer à l'instant même. Voilà, et eh bien votre soutien, c'est encore une fois la chaleur que vous mettrez dans vos applaudissements pour Daniel Deuser avec Hidalgo. 5e du nom. Cheval de 11 ans, un étalon, fils de Cadrillo et Andiamo, petit-fils.
World Cup final winner in 2014, currently sitting in the 13th position in the world rankings. He's chosen Hidalgo for this pre-Hermes Serie class, Daniel Deusser. Bien, voilà, le son faux. Allez, un plus. Voilà, un joli tour, bouclé sans faux donc pour Daniel Deusser, notre quatrième au classement provisoire. Et à 5, nous sommes maintenant. Eh bien, c'est établi pour être dans la remise des prix. Hermès Sellier, il faudra être parmi les 5 meilleurs, et en tous les cas, sans faux, des sans faute. Il en a collectionné depuis de nombreuses années maintenant. L'un des ténors, bien sûr, de cette équipe française vient nous rejoindre. L'un des piliers maintenant avec Ayad de Septon. E.T. du Haras des Coudrettes, vice-champion du monde, lui aussi, qui a été médaillé d'or au championnat d'Europe. Oui, vous pouvez continuer les applaudissements pour lui souhaiter bonne chance. Voici Kevin Stout avec Ayad de Septon. E.T. Haras des Coudrettes. Second of the French riders into the ring now, sitting in the 11th spot in the world rankings. For this competition, he's chosen Ayad de Septon, ETHDC, Kevin Stout. Ah, il fallait être sans faute, mais plus que sans faute. Le voici à la troisième place. Oui, continuez vos applaudissements pour Kevin Stout. Incredibly fast once again into third position now, just behind Bertram Allen and Jessica Mendoza. Troisième au classement provisoire, Kevin. Mais on a toujours en ligne de mire 50 secondes et 71 centièmes. Cavalière ultra rapide aussi à venir nous rejoindre. La voici maintenant parmi les 40 meilleurs cavaliers au monde, 13e pour être tout à fait exact. Qui a le plaisir notamment d'être l'une des brillantes et remarquées lors des internationaux de Bordeaux, que ce soit 6e du Grand Prix, Coupe du Monde, ou encore une fois, 2e meilleur couple à l'occasion du Grand Prix du dimanche après-midi. Laura Rennick qui est actuellement en attente aussi de vos applaudissements. Voici donc la Grande-Bretagne, Laura Rennick et Bintang Tu. Well, number 37, the last time she came to France, obviously in Bordeaux at the World Cup. She finished in second in the Grand Prix on the Sunday, sixth in the Grand Prix the night before, winner last year in Béthune with this same Bintang Tu, Laura Renwick. C'est bien avec ce même cheval hein, qu'elle a réalisé en début de saison, justement, ces très très belles performances. Alors pour Laura, comme tous les autres, hein, 50-71 à battre. Ou bien pour être dans les 5, sans faute plus vite que Daniel Deusser, le 5e actuellement, 60-68.
Ouais, le tempo était bon et puis après, faute sortie de la combinaison. Ça termine par un tour de travail. Bien, on va rester avec un solde à 4 points dans ce prix Hermès-Sellier pour Laura Henrique et Bintangtu. 4 points, 64-23. Four penalties there, 64-23 for Great Britain's Laura Renwick. La Colombie, mesdames, messieurs, est représentée par deux fois parmi ses compétiteurs, justement venus courir ce saut Hermès cru 2016. Auteur là aussi d'une très très belle saison, Carlos, est avec Anne Marat, deuxième du nom, 11 ans. C'est les origines de Padinus, celle de Murano et le public du Grand Palais pour leur souhaiter à tous les deux, bien sûr, la bienvenue et bonne chance. Carlos Lopez pour la Colombie. Colombia, who is next to go now? Carlos Lopez, who is a loyal rider to this saut Hermès. Était trois fois un des Jeux mondiaux. Vous avez actuellement devant vous une deuxième l'année dernière de l'étape Coupe du Monde. C'est ici donc de Madrid, qui était quatrième aussi à Chantilly. Une belle saison 2015. Allez, c'est parti pour le cru 2016 et surtout les 50-71 à battre. Carlos well placed in the Grand Prix in Madrid. There was also Chantilly and the five star in Saint-Tropez last year. Et tour de travail pour Carlos, qui a souhaité justement mettre dans les meilleures dispositions son Anne Marat. Bon, et bien du coup, juste deux petits points pour être allé au-delà du temps imparti en 74 secondes et 48 centièmes. On va voir some time points there, two in total for 69 seconds. It was on 74-48. Onzième donc couple que nous avons le plaisir de voir concourir donc en cette fin d'après-midi. Parmi la douzaine des premiers cavaliers à venir nous rejoindre, de la jeune génération de cavaliers, là aussi brillant et depuis de nombreuses saisons maintenant, avec une jument donc appartenant au groupe VDL, Arina C, hollandaise, est l'un des piliers maintenant on peut dire de l'équipe bien sûr venue des Pays-Bas. Mesdames, messieurs, vous pouvez saluer le jeune et talentueux Michael van der Vleuten. 17e de la Longines Ranking List, 17e meilleur cavalier au monde. Tout cela une vingtaine d'années, auteur de magnifiques classements, 7e du Grand Prix de Bordeaux en début de saison. Il gagne le Grand Prix d'Amsterdam avec justement cette même jument que vous avez actuellement devant vous. 11 ans, c'est une fille d'Indoctro, petite fille de Voltaire. Allez, c'est parti. Well, number 17 with the same Herrera, they were the winners of the Grand Prix in Amsterdam at the beginning of the year. Bon, alors faute en début de parcours, hein, et du coup, ça s'est terminé.
par un tour de travail. Les deux fautes et du temps dépassé, eh bien ça nous fait tout confondu 10,73 secondes et 28 centièmes pour Michael van der Vleuten. And Michael finishes this round, obviously jumping and time penalties, a total of 10. On va rester justement avec cette jeune génération de cavaliers. Lui aussi s'est offert de belles victoires. Il y a eu Paris et puis il y a eu tous ces rendez-vous de vitesse aussi. Là, on va voir ce que ça va donner cet après-midi. Je vous rappelle qu'on a là aussi la jeune génération Bertram Allen, tenant du meilleur chronomètre, 50 secondes et 71 centièmes, sans applaudissements. Vous savez qu'encore une fois, hein, vous avez votre rôle à jouer dans cette compétition. Allez, bienvenue, Martin Fuchs. Junior, jeune cavalier, médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe avec sa chapelle, avec Clooney, mais c'est bien avec Claire Tew qu'on a le plaisir de l'accueillir. He was with Clooney this morning, this afternoon he's with Claire Tew, many medals to his name as a junior and a young rider, and already last year he came back with the team bronze from Aachen as a senior. Faute étant dépassée, bah c'est un petit peu la sanction de ces derniers parcours. Martin Fuchs fait partie de ceux-ci avec 10,73 secondes et 54 centièmes pour le Suisse. End of the round for Marcus, same result again. Two down, two time penalties, a total of 10. Tout avait bien débuté côté compétition dans cette dernière épreuve Hermès-Sellier avec des enchaînements de parcours sans faute, un chronomètre qui n'avait cesse que de descendre et puis là un petit passage à vide. Allez, côté tricolore. Et bien là, je crois que Philippe aura plaisir d'entendre un petit peu le soutien de ses fans, mesdames, messieurs. Allez, Philippe. Philippe Rosier et quel chanu. Là aussi, auteur de magnifiques classements, victoires. Grand Prix du Touquet, notamment l'année dernière, Villamoura, où on l'a vu aussi deuxième meilleur cavalier français, qu'on a eu le plaisir aussi de voir concourir le saut. Quel chanu, propriété de Christian Baillet. Philippe Rosier, permanent in the top 100, who has chosen Quel Chanu, with which he won last year the Grand Prix in Le Touquet. Bon, on va pas lui reprocher, hein. On va pas le reprocher que d'avoir tenté évidemment l'option ultra rapide de les postérieurs entraînés sur le premier plan de cet Auxerre. Donc 4 points, 51 secondes et 56 centièmes pour Philippe Rosier. Quel chanu. Incredibly fast, 51-56, four penalties puts Philippe currently in a ninth position. C'est bien, vos applaudissements, c'est bien, encore une fois, pour celles et ceux qui tentent évidemment de réaliser de belles performances. Elle va tenter évidemment, Lucie, de réaliser là aussi devant vous, eh bien, une magnifique performance cavalière qu'on a eu le plaisir aussi de voir finaliste à l'occasion de la Coupe du Monde, qu'on va avoir le plaisir de saluer cet après-midi avec Coriana 42. Voici l'américaine, Lucie Lewis. For those of you who weren't here this morning, we're reminding that she came back with the team bronze. That was obviously in 2014 from Caen with Baron. This afternoon, she's with Coriana 42. Comme vous le rappelle Alison, médaillée de bronze par équipe lors des derniers Jeux équestres mondiaux, l'américaine Coriana, 11 ans, Corrido Lassino. Allez, parti pour l'américaine.
Oh non, le dernier. Le dernier obstacle pour Lucy Davis, Coriana. Bon, mais 4 points, 65 secondes et 22 centièmes pour l'américaine. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour terminer parmi les 10 côté dame ou cavalière, en tous les cas, courant la finale demain en ce qui concerne le saut Hermès. Four penalties, that puts Lucy for the moment in 12th position. Obviously, had to be in the top 10 for the saut Hermès competition. L'Allemagne alignée aussi, ses meilleurs cavaliers, à l'image bien sûr de celui qui s'est offert une victoire ici, c'était avec Talou Bezet, vous vous rappelez certainement de ce doublé historique, ou en tous les cas ex-aequo, avec Rick Emrick, cette même année, Réavenir, c'est le cheval westphalien que vous avez actuellement devant vous, 10 ans, il a Ricardo pour origine paternelle, et vos encouragements bien sûr, pour souhaiter bonne chance à ce couple, constitué côté allemand par Christian Allemann. Christian Allemann next to try his hand, obviously, for a place in tomorrow's saut Hermès team competition, who's chosen for this class, Revenir. Bon, mais bien là, le talent de l'un et de l'autre n'aura pas suffi à se déjouer de toutes ces difficultés. Il faut tant dépasser, ça nous fait un 13 de nombre de points de pénalité, tout confondu. 72 secondes, 17 centièmes pour Christian Allemann et Réavenir. End of the round for Christian Allemann, who's just gone out of the ring with Revenir. La Grande-Bretagne nous honore aussi de la présence justement de cette grande dynastie qui est la famille des Whittaker. L'un et l'autre d'ailleurs seront au départ bien sûr de la liste du Grand Prix et des compétitions que vous allez voir cet après-midi. L'homme aux 22 finales Coupe du Monde est actuellement devant vous. Un des plus beaux palmarès à avoir bien couru et sillonné le monde entier. Permettez-moi de vous demander peut-être un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements pour lui souhaiter la bienvenue, Monsieur Michael Whittaker. Toujours dans le top 30 mondial, Michael. La jument a 10 ans maintenant, celle que vous avez devant vous, Jimmy's Hot Stuff, Locarno Cavalier Royal. Nine years of age, this horse recently formed combination with Michael Whittaker and JB's Hot Stuff, currently world number 32. Hey, c'est bon. Eh bien voilà, Monsieur Michael Whittaker, auteur d'un beau parcours sans faute, une sixième place, 65 secondes et 34 centièmes, raccompagné par le public du Grand Palais, certainement hein, honoré que d'avoir eh bien, ce grand nom aussi de la scène internationale.
Currently in sixth position after that perfect round on 65-34. Bon, mais pour l'instant, c'est toujours Daniel Deuser, hein, l'actuel cinquième avec Hidalgo, cinquième en 60 secondes 68. Et le défi à relever pour gagner l'épreuve, c'est d'aller plus vite que 50-71. La Suède maintenant avec Charlotte Mandazini en attente aussi de vos encouragements en même temps que le départ que nous venons de lui donner. Allez, bienvenue Charlotte avec Tiny Toon Semilly. Nous voici dans le studbook des selfs français. C'est un des descendants de Diamant de Semilly, un cheval de... Bon, qui est encore jeune à ce niveau de la compétition, 9 ans, la mère est par Canaan. Tiny Toon Semilly, who is next to go under the saddle of Sweden's Charlotte Mordesini. Third place for them in the Grand Prix recently in Treffen. Joli! Allez, hop là! Troisième à Falsterbo, auteur d'un parcours sans faute et d'une sixième place. Elle vient donc de détrôner Charlotte Mandazini, monsieur Michael Whittaker. Sixième au classement provisoire pour la Suédoise. She was also, that's right, fifth in Stockholm with that same Tiny Toon. She's currently fifth sixth position tonight. Alors, ça nous donne Bertram Allen, Jessica Mendoza, Kevin Stott, Ludger Bierbaum et Daniel Deuser. Et évidemment, terminé parmi les 10 meilleurs garçons et 10 meilleures cavalières. L'objectif aussi du cavalier Qatari qui va prendre part à la compétition. Non sans avoir le bonheur de vous entendre saluer sa présence. Auteur là aussi de belles performances. Global de Monaco notamment. Allez, qu'il soit le bienvenu. Voici le Qatari. Bassem Hassan Mohamed avec The Toymaker. The Toymaker, the name of the horse that Bassem Hassan Mohamed has chosen for this, obviously, so Hermes competition qualifier for tomorrow night, representing Qatar, offspring of Kazel, obviously the European champion, who was under the saddle for quite some time of Great Britain's Tim Stockdale. Allez, nous voici avec là aussi un parcours parfait pour Bassem Hassan Mohamed, le Qatari, auteur de la 7e meilleure performance du moment, 63 secondes, 47 centièmes. 63-47 for Bassem Hassan Mohamed for Qatar, and that puts him in 7th position for the moment. Bertram Allen still in the lead with Romanov on 50-71. Alors, après le Qatar, la France, oh oui! Et même peut-être un petit peu plus d'applaudissements, mesdames, messieurs, c'est le voir justement, petit chamboule-tout au niveau de notre classement, il est capable de le faire, hein, tous les deux. Olympique Libellule, allez Timothée, auteur là aussi de magnifiques performances au long de la saison 2015, notamment vous les avez vus parmi les meilleurs performeurs à Bordeaux. Le voici donc, l'Olympique Libellule du RADM. Jarnac, Papillon Rouge et Timothée Ancio. Timothy Ampion, who you are currently winning, watching
winning amongst others last season of the Grand Prix in Vichy with the same Olympic Libellule. Oh là là, dommage, hein. Et la palanque donc jaune de l'Auxerre numéro 10 qui lui coûte ses 4 points, chrono de 57 secondes et 15 centièmes pour Team et Olympique Libellule, Timothée Ancium. Four penalties that will cost him dearly. He's currently in 13th position, Timothy Ancium and Olympique Libellule. Bon, eu égard encore une fois à tous ces beaux classements et victoires à travers le monde entier, l'un des cavaliers qu'on a eu le plaisir aussi de compter parmi les cavaliers courants, le Morocco Royal Tour l'année dernière. Et puis vous savez que c'est une année olympique cette année, objectif Rio. Eh bien, ça y est, son billet a décroché évidemment, compte tenu de ses belles performances. Pilier de l'équipe italienne. Oh, saluer peut-être même un petit peu plus chaleureusement, ce serait pas impossible que le voir parmi les finalistes. Et il est déjà parti pied au plancher. Voici Manuel Godiano avec Gex 6, jument de 10 ans par Bentley Van Enfick. World number 22, ladies and gentlemen, you're currently watching him with Gex 6, Emanuele Godiano. 22e meilleur cavalier au monde.63 secondes, 45 centièmes pour l'Italien Emanuele Godiano et deux fautes, ce qui nous fait donc un total de 8 points. Vu pour l'Italie, on part pour la Belgique maintenant. Two down, a total of 8 on, 63-45 for Italy's Emanuele Godiano. Avec la Belgique, bien sûr, et surtout l'objectif, c'est d'aller chercher un chronomètre en deçà des 50-71. Seule cavalière venue justement défendre les couleurs de la Belgique. La voici déjà à l'assaut d'une première obstacle. Allez, bonne chance pour terminer aussi parmi les 10 meilleures cavalières courant le saut Hermès demain. Vous avez actuellement devant vous Gudrun Patet avec Sikos Ferli. Galato Darko pour cette magnifique jument. La cavalière qui a été pas moins de 5 fois retenue pour courir les championnats d'Europe. Auteur encore une fois d'un beau Grand Prix en début de saison. Belgium's Gudrun Patet, the only representative of Belgium in this senior category, who has chosen Seacoast Ferli, 8th position already this year in the 4-star CIC in Brunswick Grand Prix. Bon, elle était partie très vite. Ça mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre. Elle le mérite amplement. Elle est quatrième, Gudrun. Quatrième. Congratulations to you, Gudrun. Good job. And you are in fourth position in the current lineup with that incredibly fast round, 55-44. C'est pas joué. Ça peut encore bouger. 50-71. Quel talent il nous a offert l'année dernière. Que d'émotion en tous les cas avec Corrida de Tréau en s'offrant bien sûr la victoire. Donc tenant du titre du Grand Prix Hermès 2015 est actuellement devant vous. Corrida évidemment fera partie de ses chevaux qu'il a préservé aussi pour courir une autre et belle échéance, la finale Coupe du Monde de Göteborg dans 8 jours maintenant. C'est avec Othello du Soleil qui vient nous rejoindre. Oh non, il va falloir être aussi chaleureux que l'année dernière, sinon même plus. Allez, pour le tenant du titre, Romain Duguay.
et Othello du soleil. J'aime beaucoup les selles français, le cavalier suisse. Othello, c'est un étalon fils d'Alligator Fontaine, papillon rouge. Amazing season for him last year, which really kicked off here in Paris when he won the Grand Prix of this Hermès with Corrida du Tréhaut. Afterwards, he notched up victories, the winner in Helsinki. He was also third in the Grand Prix leg in Lyon, off to the World Cup final in a few days. He's chosen for this competition, Othello du Soleil. Whoa! Ah, on s'attendait à une belle confrontation. Eh bien, ils ne lâchent rien les uns comme les autres. Continuez vos applaudissements, c'est mérité. Vous venez de vivre la quatrième place, mesdames, messieurs. Quatrième. What a performance. How exciting can you imagine tomorrow night's competition, Yannick? Romain Duguay, who is currently fourth with Othello du Soleil. Alors, ils viennent les chercher à leur place pour demain, pour courir le saut Hermès. Pour l'instant, Bertrand Malen, ça semble bien parti. Et puis derrière, donc, côté compétition, Jessica Mendoza, Kevin Stott, troisième. Romain Duguay vient de s'emparer de la quatrième place. Gudrun Patet, donc pour la Belgique, actuellement la cinquième place. Hans-Dieter Dreher vient de faire signifier son départ. Mesdames, messieurs, je pense qu'il ne manque plus que vos applaudissements pour ponctuer justement ce début de parcours. Allez, bienvenue Hans-Dieter Dreher. Là aussi, sacré cavalier allemand, vous avez actuellement devant vous, sur lequel il va falloir compter. Et équipé de Colonesi, 12 ans, origine Cotender, Riverman. Kulonizi, his horse with which he was second in the Grand Prix, five-star Grand Prix in Den Bosch a few weeks ago. Bon, avec une faute, mais avec deux maintenant, ça devient un petit peu plus délicat pour Hans-Dieter Dreher. Pour être retenu demain pour le saut Hermès, 68 secondes, 51 centièmes pour le cavalier allemand. Two down, a total of eight for Germany's Hans-Dieter Dreher. Still Bertram Allen in the lead with 18-year-old Romanov on 50-71. 50 secondes, effectivement, 71 centièmes à battre. Mais quel cavalier nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois au Grand Palais. Michael était des nôtres tout à l'heure, il n'a rien à lui envier côté palmarès. 5 Olympiades, 6 championnats du monde, 12 fois les championnats d'Europe, 21 fois les finales Coupe du Monde, des victoires à travers le monde entier. Non, non, plus d'applaudissements s'il vous plaît pour lui souhaiter là aussi la bienvenue pour la première fois, Monsieur John Whittaker. Et le gris, Echo of Light. Come on, 11 ans. Les origines maternelles de Cotender, via Cotender. Well, 28 with this young Echo of Light, the Holstein offspring of Come On, grandson of Contender, under the saddle of the one, the only, John Whittaker.
Eh bien voilà, même les meilleurs hein, sur ce tracé. Hermès Cellier qui a occasionné par deux fois des fautes pour Echo of Light, soit 8 points, 60 secondes, 8 centièmes pour John Whittaker. End of the round for John Whittaker with a total of 2 down and 8 penalties and Echo of Light. Oui, c'est bien lui, fier de vous montrer donc à son bras gauche qu'il y a de cela quelques semaines, il venait d'être sacré après encore une fois des saisons juste extraordinaires. Numéro 1 mondial, oui mesdames, messieurs, c'est bien lui qui a détrôné Scott Brash, c'est bien lui le cavalier français, c'est bien Simon de Lestre. Allez Simon, le cavalier, partenaire Hermès, est avec Stardust du Quinon, jument de 10 ans, Calvaro, Capdoula du Tillard, de Pascal Blisco. Allez, c'est fait. Le numéro 1 mondial, le détenteur donc de ce brassard aux couleurs de Longinon, auteur d'un parcours sans faute, d'une 7e place. Et faites-vous plaisir encore une fois, je crois que vos applaudissements seront tout simplement le couronnement des belles victoires qu'il nous a offert tout au long de sa jeune carrière encore une fois. Bon. Comptons sur lui, évidemment, en ce qui concerne le soir Hermès, vraisemblablement pour demain. 25 ans à la cavalière qui vient nous rejoindre, qui aurait pu opter aussi pour concourir lors des épreuves réservées au talent Hermès. Elle a été par 4 fois retenue pour courir les championnats d'Europe. Elle a couru les derniers Jeux équestres mondiaux. Elle est finlandaise et elle sera ravie d'entendre pour la première fois le public, bien sûr, du Grand Palais lui souhaiter la bienvenue. Voici Anya Julia Contio et Fardonna. 25 years of age, 4 European Championships to her name. For this Hermès Cellier class, she's chosen a Fardon, Anna Julia Contio, in the ring. Ouais, joli. Avouez que pour une première, ici, bon, elle n'aura pas fait la figuration, elle réalise l'un des meilleurs chronomètres de cette fin d'après-midi. Je crois qu'elle sera ravie de vous entendre une nouvelle fois la saluer. Anna Julia Contio et Fardon pour la Finlande, 7e au provisoire. 7th in the current lineup, 56-38, the time for Anna Julia Contio of Finland. For the moment, Bertram Allen sitting cool in that top spot on 50-71. Effectivement, Bertram Allen, le phénomène, toujours en tête avec 50-71 à battre. Extrêmement rare ce cavalier en France. Vous savez qu'on a la chance d'avoir les meilleurs au monde. Et bien, vous avez tout simplement le plaisir de saluer
le champion du monde en titre. Vous avez le plaisir de saluer le champion d'Europe en titre, mesdames, messieurs, Jeroen Dubbeldam. World champion, obviously in the team and the individual competition, as well as a European champion. He's come this afternoon with a Caruso Ellis Lassila. Individuel et par équipe, effectivement. Alors, Caruso Ellis Lassila, les talons Montebello Lassila. Eh oui, voilà, démonstration, passage pour terminer parmi les meilleurs au monde. Il vous réalise actuellement la deuxième meilleure performance de cette fin d'après-midi à Messelier. Au nom, continuez vos applaudissements. On a tellement peu l'occasion de l'avoir en France. Allez, deuxième. Ça semble plutôt bien parti pour Jeroen Dubbeldam en ce qui concerne donc la remise des primes. Il y a encore du beau monde à venir nous rejoindre. Second in the current lineup after that performance, Bertram Allen, Jeroen Dubbeldam, Jessica Mendoza, Kevin Stout, Romain Duguay are top five for the moment. Romain Duguay, donc cinquième meilleur performeur, comme vous le rappelle donc Alison, avec 53-45. On part pour la Suède une nouvelle fois maintenant pour accueillir ce cavalier qui est dans le top 20 mondial, 19e meilleur cavalier au monde, qui a été des derniers Jeux équestres mondiaux, 6 fois des championnats d'Europe. Et le Grand Palais lui souhaite bonne chance cet après-midi. Allez, voici Henrik van Eckermann. Pour la Suède, Yam Jalia, que vous avez donc actuellement devant vous. Yam Mila, jument fille de luxe, 10 ans. Well, number 19 for Sweden, currently in the ring. You're watching Henrik van Eckermann, who's chosen Yam Mila. Aux portes du quintet des meilleurs performeurs, mais en tous les cas, très très belle performance. Henrik van Eckermann, à hauteur d'un parcours sans faute, d'un chronomètre de 55 secondes et 6 centièmes. 55.06 the time for Henrik van Eckermann, which puts him in sixth position, just behind, obviously, number 5 for the moment, Romain Duguay. Quel plaisir aussi que d'accueillir ce grand cavalier que vous avez actuellement devant vous, membre de la Mannschaft, évidemment, auteur d'une magnifique victoire, le premier Grand Prix ici, le Grand Prix Hermès, c'est lui qui le gagnait avec Sabrina et elle est dans les starting blocks face maintenant à ce tracé avec un étalon de 11 ans, un croisement fort plaisir, une mère par pilote, Funky Fred. Je crois qu'il sera ravi une nouvelle fois de goûter à la saveur de votre soutien, mesdames, messieurs, Markus Henning pour l'Allemagne. Funky Fred, the name of the horse, of course, the rider, no stranger to this Grand Palais. Victories here in the first edition in 2010 and also in 2014.
Ouf, le dernier. Oup, le dernier pour Marco Senning. Funky Fred. Dur ce sport. Bon, avec 4 points de toute façon. Sanction immédiate, 57 secondes et 11 centièmes pour Marcus. C'est Funky Fred. Funky Fred, who has just going out the ring. Obviously, one down, a total of 4. Can happen to the best of us to have our off days. On sent le public du Grand Palais qui frémit en se disant « Bon, hey, Bosti, il y a peut-être une carte à jouer, coup de cœur de la loge, le cheval avec lequel, justement, parmi ses belles victoires, il y a eu l'étape Coupe du Monde de Lyon, il y a eu aussi des victoires dans des rendez-vous de vitesse. Est-ce qu'avec le soutien du public, j'espère en tous les cas chaleureux, est-ce que Bosti peut compter sur vous, les amis? Allez, on y va! Allez, Bosti! Roger Bost. Et ce coup de cœur de la loge, idéal de la loge, l'origine, 12 ans maintenant. Propriété d'Equiblou et de Bosti Jump. Bosti, 50-71 à battre. Good cut of the loge under the saddle of Roger Yves Bost, who are next to go, renowned for going fast. Together they won some others. The Grand Prix World Cup leg, that was obviously back in 2014 in the city of the Gauls, Lyon. Fabuleuse qu'il vient de réaliser Bosti, hein, porté bien sûr par le public du Grand Palais, 56 secondes et 63 centièmes, une sixième place, allez-y, raccompagnez-le, vous savez qu'en règle générale, il adore particulièrement le soutien, et le vôtre particulièrement. Allez Bosti, sixième au classement provisoire, la cinquième place est toujours pour Romain Duguay, côté suisse, avec 53-45 et la pole position à 50-71, réalisé par Bertram Allen, le fabuleux cavalier irlandais. Mais derrière, il y a en embuscade aussi celui qui, depuis de nombreuses saisons d'ailleurs, avait ce brassard de numéro 1 mondial, relégué à la deuxième place avec des victoires à travers le monde entier. L'un des meilleurs cavaliers au monde. Aimerait bien vous entendre aussi réserver, évidemment, les applaudissements qui lui sont dus. Scott Brash. Le Britannique Scott Brash. Hello Forever, 10 ans, For Pleasure, Limère d'Or. World number one, obviously that was for 18 months in a row, just dethroned by Francis Simon de Lestre. Now world number two, Scott Brash. Et voilà un parcours sans faute. Auteur d'un parcours sans faute, le numéro 2 mondial, Scott Brash. Alors, sans faute, 61 secondes et 8 centièmes, 13e au provisoire. Scott Brash, who's just jumped clear with Hello Forever, and that puts them in a 13th position for the moment.
Donc ils ne sont plus que 5 maintenant pouvant prétendre à la victoire. Suisse, États-Unis d'Amérique, Qatar, Espagne ou encore Australie. Il y a encore du bon monde et la place bien sûr pour être dans le top 5 final. Suisse tout d'abord, membre de cette équipe de Suisse, médaillée de bronze au dernier championnat d'Europe, la cavalière qui va s'élancer. Elle est avec Uptown Boy. Mesdames, messieurs, vous avez eu le plaisir de la voir courir. Les talents Hermès, vous l'avez maintenant dans l'élite mondiale. Même un petit peu plus de chaleur s'il vous plaît dans vos applaudissements pour lui souhaiter bonne chance. Yannicka Spanger. We discovered all of her talent here as a young rider in the Talon Hermes competition, and she's gone from strength to strength, currently number world 55. Last year came home with the team bronze from Aachen. That was with Bonchance this afternoon. She's chosen Uptown Boy. Ça passe. Bien joué Yannicka, bien joué, 11e au provisoire, un parcours sans faute, 56-70, et ça semble plutôt bien parti aussi pour Yannicka pour bien évidemment jouer le saut Hermès de demain. Parmi ceux à venir nous rejoindre, et notamment la première fois, ce qui est le cas du cavalier américain que vous avez actuellement devant vous. Cavalier qu'on a le plaisir aussi de voir concourir, notamment Hunter, grand champion de Hunter et double casquette puisque c'est un redoutable compétiteur sur la scène internationale. Le cheval s'appelle New York, bienvenue aux États-Unis d'Amérique et le public du Grand Palais pour lui souhaiter bonne chance cet après-midi. Voici Jack Towell. Ce New York que vous avez actuellement devant vous, à 10 ans, fils de Verdi. Here for the first time at the Saut Hermès in Paris, he's competing with this horse belonging to Jennifer Gates, New York, Jack Towell. Jack, who was a World Cup finalist last year in Las Vegas. Oh, le dernier. Ah, c'est pas payé là non plus, mesdames, messieurs, vous en conviendrez. Avec ce dernier vertical qui lui vaut 4,54-28, mais qui ne devrait pas le priver de vos applaudissements. Il serait mérité, avoué quand même, pour cette belle tentative du cavalier britannique. Finaliste l'année dernière de la Coupe du Monde, Jack Towell, avec 4 points donc pour sa prestation. Qatar, Espagne, Australie sont les 3 dernières nations à venir nous rejoindre. 26e de la Longines Ranking List, le cavalier qui par deux fois participé au championnat du monde, fut retenu 3 fois pour participer à la finale Coupe du Monde. Il est avec Vienna Olympique. Mesdames, messieurs, voici pour le Qatar, Sheikh Ali bin Khalid Al Thani. A great season for them. Last year has put them currently in number 26 in the world rankings. He's chosen for this, obviously, Saut Hermès qualifier. Vienna Olympic, with which he was well placed in the Grand Prix in Al Rayyan. There's also been Den Bosch, where they finished in fifth position in the 155. Oui, deuxième de la Coupe des Nations, Den Line. Al Rayyan, où il a été aussi avec Anyway, absolument parfait pendant le Grand Prix. Vienna Olympic est donc une des filles de Cassini, fille de Contender, 11 ans.
bien joué, ça aussi, superbe. Allez, prestation sans faute pour le cavalier qatari, cher Rally Bin Khalid Al Thani, que vous avez vu donc concourir avec Vienna Olympique, parcours sans faute. Perfect performance for the rider from Qatar. He is in time of 64.92 and that puts him in 17th position. Ils ne sont plus que deux couples à venir face à ce tracé Hermès-Sellier. Elles ne sont plus que deux cavalières maintenant pour aller chercher donc le meilleur chronomètre de Bertrand Malem. 50-71, partenaire Hermès, la cavalière qui va prendre part à la compétition, auteur d'une belle performance avec son nuage bleu ce matin. Cette fin d'après-midi, eh bien, je l'espère en tous les cas, nous permettra de saluer sa belle prestation, peut-être parmi les cinq meilleurs. Avec un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements, on pourrait peut-être y arriver tous ensemble. Allez, pour l'Espagnol, voici Lucrecia Gordon. Pilar, Lucrecia Gordon. Gribouille d'Ulysse, elle a 10 ans, cette gribouille. Fille de Caprice, alias Quincy. Est-ce que ce sont des chevaux belges, les PWP? Hermès partner rider, Pilar Cordon, who is second last to go and has chosen a Gribouille d'Ulysse with which she was part of the fourth place Nations Cup team last year in Rome. They were also ninth in the five-star Grand Prix in Chantilly. Voilà, la cavalière espagnole, Pilar Gordon, avec deux fautes, soit un total de 8 points, chronomètre de 64 secondes et 19 centièmes. Ça ne bouge pas, on reste avec les meilleurs justement du circuit, de ces dames, avec pour objectif terminé bien sûr parmi les 10 meilleurs, assurés de jouer le saut Hermès, épreuve par équipe de demain en fin d'après-midi. Eh bien, c'est l'Australienne, l'une des fidèles bien sûr à la scène internationale et surtout Paris qui en règle générale lui va plutôt comme un gant. Allez, je crois qu'il va même falloir être un petit peu plus chaleureux si vous voulez la voir parmi les cinq meilleurs. Allez, Luna! Bienvenue dans cette ultime confrontation de la journée. Edwina Tops, Alexander, Linti Tequila, 13 ans. Troisième encore à Bordeaux, troisième à Zurich. Troisième aussi, 4 étoiles d'Al Rayyan. Ça a plutôt bien en ce début de saison. Last but certainly not the least to go, world number 20 with her fabulous Linti Tequila, with which she won the Grand Prix in Doha last year, amongst others, Edwina Tops Alexander. Waouh! Eh bien écoutez, on ne pouvait pas rêver meilleur scénario que de terminer par un beau parcours sans faute que vient de vous offrir l'Australienne Edwina Tops Alexander. Mais indétrônable ce couple constitué donc pour l'Irlande de Romanov, 18 ans, 2 ans de plus pour son cavalier Bertrand Malem, que vous pouvez saluer. Victoire ce soir devant vous! C'est bien cet Irlandais que vous aurez le plaisir de saluer dans quelques instants, mesdames, messieurs, à l'occasion de la remise des prix.
Ladies and gentlemen, do stay with us, obviously, to come the prize-giving ceremony with our top five. And then, of course, a few surprises, our equestrian show as well tonight. So lots more coming up for you in a very short time. Rendez-vous donc dans quelques minutes pour la remise des prix de cette très, très belle épreuve. On vous l'a rappelé, comptant entre autres pour le classement mondial des cavaliers. Remise des prix et ensuite, je vous encouragerai à nouveau à rester en tribune. Une surprise vous attend et une surprise de taille. Le spectacle préparé cette année par l'Académie de Versailles. I'm pretty sure you will remain in the stands. The prize giving ceremony within a few minutes, and less than 5 minutes later, a show that has been designed especially for the seventh edition of this saut Hermès. Thank you.
Mesdames, Messieurs, nous allons donc procéder à la remise des prix. Hermès Cellier, nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, et Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for the Prix Hermès Cellier prize giving ceremony. Henri-Louis Bauer, who is the president of the conseil de gérance, Émile Hermès, Anne-Sara Panhard, who is the managing director of Hermès France. Eh bien, il vous reste maintenant à accueillir les champions, les cinq meilleurs performeurs de cet après-midi, de cette fin d'après-midi. Hermès Cellier. Les voici donc devant vous, les cinq meilleures prestations. Celui au devant, bien sûr, de la scène, avec ce cheval qui est bien du haut de ses 18 ans. Son cavalier qui a 2 ans de plus, à 20 ans, s'offre une victoire devant le gratin mondial. Je crois que vous serez salué cette très, très belle victoire pour l'Irlande, Bertram Hallen. Madame, Monsieur, quand l'honneur de Bertram Hallen retentisse l'hymne irlandais. Ladies and gentlemen, the Irish national anthem. Bertram Hallen, l'Irlandais, et Ronoff, victoire cet après-midi dans cette épreuve Hermès Cellier. Winner of the competition this afternoon in the Hermès Cellier class, Ireland's Bertram Hallen, being congratulated by our officials. Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France, pour remettre donc la tête de cheval Hermès en palissandre avec 3 socles en cuir, accompagné d'Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès. Being congratulated by Anne-Sara Panhard, the managing director of Hermès France, and Henri-Louis Bauer with these wonderful Hermès horse heads. La deuxième place, champion du monde en titre, champion d'Europe en titre, mesdames, messieurs, Jeroen Dubbeldam pour les Pays-Bas. Current team, European individual and world champion with Caruso LS Ursula, the Netherlands, Jeroen Dubbeldam, ladies and gentlemen. Et les talons Caruso LS La Silla. Récompensé lui aussi de cette tête de cheval Hermès en palissandre. La troisième meilleure performance nous permet de saluer la prestation de Jessica Mendoza pour la Grande-Bretagne. Great Britain's Jessica Mendoza, who is in third position tonight with Spirit T. Médaillée de bronze par équipe à l'occasion des derniers championnats d'Europe. Elle est avec Spirit T, troisième meilleure performance qui lui vaut là aussi cette tête de cheval en bronze palissandre. La quatrième place pour la France avec Ayad de Septon, E.T. du Haras des Coudrettes,
Kevin Stout. And in fourth position this afternoon, France's Kevin Stout with Aya de Septem, ET HDC. Félicité donc de sa quatrième place. Il nous reste à saluer la cinquième place, tenant du titre vainqueur l'année passée du Grand Prix Hermès pour la Suisse avec Othello du Soleil, Romain Duguet. And in fifth position, Othello du Soleil, woo, he's in fine form. Romain Duguet, ladies and gentlemen. Que nous allons donc saluer de loin. Par contre, nous allons demander aux cavalières et cavaliers d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Riders, if you could please turn around to salute the members of the public who are sitting behind you, please. Thank you. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, eh bien continuons, si vous voulez bien le faire, en cadence à l'occasion du Tour d'honneur. La victoire ce soir, Bertram Allain et Romanov. But it was also for the Netherlands, world champion, European champion, Jeroen Dubbeldam. Jessica Mendoza pour la Grande-Bretagne. Mr. Kevin Stout for France. Le Suisse, Romain Duguet. Et à l'occasion de cette ultime confrontation, vous allez garder pour vous tout seul l'homme auteur de cette fabuleuse victoire, Hermès Serrier, Bertram Allain.